Hello, hello, voilà, j'ai mis en route. Allez, on y va. Message des breloques pour ce 29 mai 2024. Alors, je touille. Hop là. Alors, sur le côté, il y a accusation et survie. Nous avons ici, tu me manques, nous avons un lien protégé par la Vierge et pour lequel il y a une clé, donc la solution. Nous avons la lettre B, nous avons la lettre K, nous avons la lettre S et nous avons rendez-vous. Il n'y a rien, donc je vais l'enlever celui-là, hop là. Nous avons la stabilité. Et nous avons l'arobase, stabilité au niveau des écrits, stabilité ou tout simplement rendez-vous, confirmation de rendez-vous. Nous avons un lien ici qui a l'air d'être précieux. Vous voyez, on a ce petit brillant là, c'est un aimant en fait, je viens de le remarquer, mais le lien il est fluide. Donc, vous avez la solution à portée de main. Ce lien est précieux. Vous avez la solution avec vous. Et nous avons trois lettres alphabétiques. Le K, le B et le S. Donc, messieurs, mesdames, ça s'adresse à vous. Alors, on va voir avec les cartes maintenant quel est le message pour ce 29 mai. Alors, je vais mettre mon chargeur sur le côté. On va prendre le tarot. Alors, que se passe-t-il ce 29 mai 2024 pour les personnes qui vont regarder? Alors, on a quelque chose qui arrive à son aise, hein, tranquille, pépère, mais qui va apporter des nouvelles au niveau financier. Alors, nous avons ici l'équipe, hein, il y a plusieurs personnes où c'est le fait de savoir se coordonner entre eux ou savoir travailler en équipe. Ah oui, ça veut dire un peu la même chose. Alors, nous avons là peur de perdre. Nous avons ici des nouvelles qui arrivent pour votre tranquillité d'esprit et celle de votre famille. Donc, c'est la plus belle carte là qui vous dit « C'est y est, tu y es arrivé, tout va bien, tranquillité d'esprit, tu as suffisamment d'argent pour le bonheur de ta famille. » Alors, on a cet homme bon qui va recevoir assez rapidement des nouvelles. Nous avons la reine de bâton qui est charismatique, serviable, gentille, pleine de vie, souriante. Et là, qu'est-ce qu'on a? Alors, au niveau du travail d'équipe, on t'invite là à peut-être à ne pas avoir peur, hein, puisque là, tout va bien. Là, ça se coordonne. Alors, on a cet homme qui reçoit, cet homme bon, équilibré au niveau émotionnel. Et voilà, tu peux enfin faire des projets d'avenir. Donc, n'aie pas peur d'avoir, de perdre. Change cet état d'esprit parce que toutes tes cartes sont belles tout autour. Alors, ici, patience. Voilà. Voilà ce qui arrive pour toi au niveau émotionnel aussi. Donc, ici, c'est la matriarche, c'est celle qui connaît déjà ton avenir, c'est celle qui te dit patience, agis avec sagesse pour le bien de ta famille. Et nous avons garde ton acquis, garde tout ce que tu as appris au niveau éducation, au niveau héritage, au niveau financier, ne dépense pas ton argent. Parce que je sais ce qui va arriver. Attends, ma chérie. Je sais ce qui va arriver. Mais je ne sais pas ce qu'elle me veut. Alors, harmonie. Là, on essaye de trouver l'équilibre. Et là, ça y est, on l'a trouvé. L'équilibre sur le plan amoureux. Allez, c'est peut-être entre deux boulots aussi, hein.
Allez, on va aller voir sur le plan amoureux, effectivement, ce qui se passe. Et on va prendre, non, Moon, tu vas te brûler. Voilà, elle s'agite, elle s'agite. Allez, Moon. Alors, nous avons quoi? L'aide extérieure. Maintenant, ça peut être quelqu'un de l'extérieur, un étranger qui vient vous aider, hein? Un étranger à votre famille, à votre pays, à votre région. Nous avons le voyage. C'est peut-être vous partez. Il y a des gens qui partent en vacances ou qui déménagent à l'étranger. Nous avons la période de chance pour le faire, les opportunités qui se présentent. Nous avons les amitiés, donc on se sépare des gens qu'on aime pour aller vivre à l'étranger. Nous avons le choix, nous avons le grand oui, décision prise. Nous nous séparons de tout ce que nous avons ici et nous partons vivre à l'étranger. Alors, qu'est-ce qu'on a là? La femme, le changement, et nous avons la clairvoyance. Bon, ici, il y a une femme qui change au niveau de... Allez, il y a peut-être une prise de conscience, hein. Et là, à partir de là, elle va tout garder à l'œil. Elle va faire attention à tout. Elle va tout décortiquer, éplucher, essayer de comprendre. Ce changement est positif et nous avons bah, l'envie, hein. Vous allez partir, vous n'allez pas vous faire prier. Ça va éveiller de la jalousie, hein, de l'incompréhension aussi, bon, les gens, hein, les voisins ou les gens qui vous entourent, à qui vous n'avez rien dit, bah, vont être un peu sceptiques. Voilà. Alors, je vais en prendre un autre, comme ça tout le monde a sa petite réponse. Nous allons prendre quoi? Nous allons prendre celui-ci. Hein. Attends, hein, je vais faire de la place, Mistinguette, parce que on va prendre celui-ci. Et on va venir voir quel est le message. Alors, nous avons fête, sortie et activité. Nous avons changement, mais là j'ai le départ, hein. Le départ des festivités. Le go. Nous avons l'attraction, l'alchimie. Donc il y a une nouvelle rencontre ici qui se fait. Vous partez pour faire la fête. Et là, vous allez rencontrer quelqu'un avec qui les choses se passent bien. Vous pourriez même devenir addict à cette personne. Nous avons l'instabilité sur la relation. Il y a un changement là. Et on a le oui qui est mitigé. Par rapport à quoi? Le oui qui est mitigé sur le coup de cœur. Donc, vous savez, oui, je dirais que oui, il y a un coup de cœur. Mais là, il y a de l'instabilité parce que l'un des deux va être addict à l'autre. Donc, il y a une décision, un choix à faire. Il y a des moments de solitude à cause de ce choix. Mais regardez, le projet étant qu'il faut, on va emménager à deux, hein. On déménage. Et reprise de contact. Voilà, je vous laisse avec ce tirage. Je vous embrasse tous bien fort et je vous dis à bientôt. Bisous à tous.